La dissolution du Parlement, c'est titre livre politologue Rudy Stanley Penfey, 20 signatures, vendredi qui était 16 février 2024. Là. Rudy Stanley Penfey, cadre d'ouvrage, ça a attiré l'attention publique sous fragilité de l'État haïtien à travers le Parlement. Pendant y encourager les acteurs concernés à tirer le son sur l'expérience passée et puis travail pour renforcer l'institution pays. On suit un extrait. Travail qui étudie conflit qui généralement est opposé parlement à que pouvoir exécutif là, ou du moins fragilité parlement comme institution, comme pouvoir public. Maintenant, le travail en soi, l'inviter lecteurs, l'inviter acteurs politiques à jeter un regard poussé sur et activité ça qui malheureusement dans l'histoire politique pays a les plus faites de manière autoritaire que légale ou constitutionnelle. Donc c'est une sorte de fragilisation et du Parlement en tant qu'espace de pouvoir, mais de représentation et de la population, parce que les élus au niveau du Parlement, ils sont les représentants du peuple. Donc c'est un travail général côté que nous avons différents types de dissolution, nous étudier politiquement pour que nous soyons capables de tirer les meilleures leçons. C'est un travail qui prend à peu près 3 ans pour me réaliser. Et puis je dis à la travail ça est disponible pour que le public là soit capable de tirer enseignement qui gagne la dernière. C'est la première présentation du livre là. Parce que le fait que sorti, en fait, j'ai voulu que le livre soit disponible en Haïti. Pour mes lecteurs, monde qui toujours intéressé à travail que m'on fait. Moi j'ai plusieurs livres que m'écris déjà et j'ai plusieurs autres travail qui pas forcément des livres mais qui c'est des contributions de réflexion que nous généralement qu'on publie pour aider à comprendre le phénomène dans l'activité politique pays. Il faut tout faire pour renforcer l'expérience démocratique haïtienne. Il faut pas perdre confiance, il faut continuer à avancer. C'est vrai que l'État est fragile. Mais il faut renforcer l'État. Et on ne peut faire ça qu'en renforçant les institutions républicaines.